Pour le concert de la fanfare qu'ils viennent nous donner, donc c'était le concert de leur camp musical.
Donc je remercie aussi notre orateur Daniel Rosis. Je pense que vous le connaissez tous. Vous l'avez certainement déjà entendu à la radio. Donc je le remercie d'avoir accepté notre invitation pour l'allocution de notre discours. Et je vous invite donc après le discours tous à vous rendre pour les feux sur le lac à 22h. Et dès 22h15 sur la place des Forts pour les traditionnels tirs au canon. Alors je vous souhaite à tous une agréable fin de soirée. Je passe la parole à Daniel Rosis. Merci Isabelle. Je vous espouette à vous tous et à vous une belle soirée du 1er août, une splendifique foute patrionale ouverte sur la mer et sur le tonde. Mesdames et messieurs les orités commugieuses, mes chers cousins et mes chères cousins, monsieur le présentant du Sémunal, chers indigènes confédérés, transiers ou vacangés au bénéfice du droit des réfugiés ou des récents bilatécores, vous tous les émus de la municipalité. J'ai eu la crœur qu'il ne fasse beau vin pour cette soirée, mais cette pinte est prochainement d'ici partie puisque la tantéo est agréfique. Et ceci me permet de vous rappeler le bonheur que nous avons d'avoir des vachances dans notre patrure. Nous avons été protervés et prétogés tout autant des incendations que des innocendilles. Nous sommes sur les altitudes et l'alteur nous protère en effet des incendations et comme on dit, il n'y a pas d'affreux au bac. Il aurait été d'ailleurs surprifique que le drone ou la rance débonte de leur lit et morde jusqu'à Champlac. Car Champlac est beaucoup plus protervé que la route qui va d'Ispro à son lapère. Alors vive Champlac sous la commère d'Orsune. Staquette caution, où le jardin potaflore est aussi beau que les promenouilles en pédacustre, penché sur le tour du Longflanc. Alors ça sent apprêter et proficier tout autant de la meuillette des braises des foies, des tartelilles aux myrtoises du Val d'Arpille, que de l'exposition des sculpteurs en plein or. Nous sommes tous et toutes rassemblés pour fêtébrer les beautés de la patrure dans ce magnifique pestri que nous ont dogué. Oui, nous sommes toutes et tous, filles écarpées, réussemblées pour fêtébrer au bord du petit mac de Chanson, dans cette commère d'Orsune et au pied des grands longs. Aimons cet écrin luxineux de ce péton indépendant très nain que nous ont l'aîné nos anciens. Et si ce péton a réussi. Oui, si ce péton a réussi à démester un dépendant très nain, c'est aussi grâce aux instacanons militiales des mortifications fraisées dans les mottes de Champlac. Je me réjouis. Je me réjouis d'ailleurs d'entendre bientôt pouffer ces instacanons tout à l'huit. Grâce à l'amidale des commerçants, nous pourrons entendre le pire au canon sur la glace des morts. En cette année, vous avez filusionné vos câbles jusqu'à la poulie. Il faut voir au-delà du Val Serré et contarguer le monde en le retemplant dans les mieux. Alors que tant d'auterges ont aujourd'hui de la reine à pamplir, faut-il au moment suprifier, faut-il vrai-ci sacrimer la forage sauvée pour un complux dont on ne connaît pas la rentabilifice? Est-ce la seule parolution à la stricte appliquébert de la lex-vection? Certains se le caissementent. Le complexe de la nouvelle loi sur la ménagerie du Terribloire n'aide pas à y répondre. Il faudra
Je laisse poète et je vous le souhaite. Et je me laisse poète aussi tout mon beurre. Il faudra, répétis-je, une fête du 1er août, une foute nationale à la hauteur de cette pâture que nous fêtébrons. Mais je vous glose une gestion. Que faut-il pour que la triotique nous soit profireuse? Nous ne sommes pas sans ignevoir que pour cela, il faut, écoutez-moi, il faut deux condiglations. La première et la deuxième. La première condiglation n'est pas à mes yeux aussi peu facultatoire que suffisive, c'est la condiglation de l'amicorde, je vous l'ai déjà explignalé. Mais pour que l'amicorde règne entre nous voûtes durant cette fête patrionale, il faut oublier un mostant nos indifférences. Nous sommes tous diffaiblables dans nos convictions idéolytiques. Certains d'entre nous sont radicrates du bord, conservalos, entremises autrefois ou même sociacal-démocrateurs. Alors, pour fêtébrer dignement cette foute, laissons nos spéciférences et mieux tâchayons d'y voir une richercité. Au même instant, battruisons notre richercité sur des fonds de base qui nous réussemblent et fêtébrons notre richercité elle-même. L'application de cette condiglation d'amicorde nous forblige à combat fusé tout ce qui est incompactoire avec la droignité. Il faut aimer notre humain. Je suis moi-même surpris chaque fois que l'on monte contre les valeurs préchendues par les curgés ou les pastèques catholantes ou protestiques. Car pour combat fusé l'état de froid, il nous faut continuivre la tradiversité de notre fratrie en bien avec les conventions internapéennes. Les lois doivent légimenter le droit d'étrangile, certes, mais non pas le vider de son sens au nom de la lutte contre les ébus. Ainsi, les démesures de tratrate figurant dans des lois régulièrement référendives sont face à la fratrie confédériote particulièrement indisproportable et voire même promémiolante. La deuxième condiglation n'est pas aussi facultatoire qu'au moins aussi suffisive que la micorde, et cette condiglation, c'est la joie fratriotique. Cette joie ne nous a pas été doguée une fois pour toutes. Il faut la reconstruire pour qu'elle zanichisse notre vie quotidienne. Il faut la reconstruire chaque lourd. Il faut la reconstruire comme mitoyen et mitoyenne. Il faut la reconstruire également dans chacune des rotations fédériotes, en n'hésitant pas à roter au plus près de sa concierge. Et même si les pestries seront bien chaînement chandifiées et réorgacentrées, même si nos communipalités fusionneront un jour, on peut être tiers d'être d'ici. Oui, nous sommes tiers d'être en Suisse, ici à Champlac, comme mitoyens du Rhône. Que cette fête du 1er août nous soit profireuse, que cette foute patrionale nous réussemble tous et toutes dans la bicorde et la joie natriotique. Bonne foirneille et merci. Thank you.
C'est vous qui êtes. C'est vous qui êtes. Oh, je vais te dire. Je vais te dire, je vais te dire.